Très bien, eh bien nous nous retrouvons, je viens juste de charger la partie. Donc, et les cellules. Ah, par contre les cellules se chargent beaucoup plus rapidement qu'avant. Ça j'aime bien. Parce que ça c'était une question que j'avais, c'était en mode alpha. Les cellules quand on redémarrait la partie mettaient du temps avant d'être redémarrées. Donc, petit tour de la prison. Alors, ici il y avait la buanderie, le nettoyage. Ici il y a la salle de conditionnel. Ça on l'avait fait ensemble. On s'est quitté. Donc comme promis, j'ai dépassé les 200 cellules. Et je me suis rendu compte que j'avais un problème au niveau de ma salle des admissions. C'est un camp de la mort ici, clairement. En fait, apparemment, les prisonniers. Donc, apparemment, je manque de personnel. Je manque de personnel pour pouvoir s'occuper des prisonniers. Donc, il faut que j'engage à mort ce gardien. Donc, pour qu'ils évacuent les prisonniers, pour que. Parce que là, ça va absolument pas. J'ai des morts. Et le truc le plus bizarre également, c'est que personne n'arrive à accéder à la morgue. Alors que on est censé pouvoir y arriver quoi, donc je réfléchis, j'essaie de trouver des solutions, mais pour le moment voilà, je galère un petit peu au niveau des morts. Sinon donc j'ai plusieurs blocs de cellules plus une qui est en construction actuellement, où je n'ai pas de déploiement. Donc il me faut également des patrouilles. Donc pareil, je manque de personnel. Je manque clairement de personnel dans ma prison. Donc voilà. Un chien. Donc je mets un chien par bloc. Ainsi que deux patrouilles armées. Ça je vous l'ai expliqué, je ne laisse jamais une patrouille seule. Ouais, par exemple ici. Donc je manque clairement de chiens. Si on veut. Comment... Mais voilà, mais sinon, ça avance un petit peu. Non, c'est pas ce que je voulais. C'était une patrouille de chiens ici. Donc, en extérieur des patrouilles de chiens, à l'intérieur des patrouilles de chiens, voilà. C'est un petit peu l'idée. Je me demande si en fait trois chiens ici seront vraiment nécessaires. Ouais, en fait, je vais mettre qu'une seule patrouille de chiens ici et je vais couper cette. Ouais, et je vais couper cette ronde pour rajouter le chien ici. Et là, il me manque encore des chiens. Il me manque encore des chiens. Bon. Pas grave, j'en embaucherai quand on aura plus de sous. En attendant, donc j'ai donc le prochain bloc de cellules, c'est à 500 prisonniers. J'ai eu une épidémie, mais il reste plus qu'un prisonnier qui est malade. L'infirmerie s'en est occupée toute seule. Fait, je me demande si la morgue, faut pas la mettre en. Pas la mettre en partagé pour que les prisonniers puissent y aller, ça m'étonnerait, mais par contre j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression par contre que si ils ont commencé à dégager quand même pas mal de corps depuis tout à l'heure, ouais, ça commence à s'évacuer, ça commence à s'évacuer, mais en fait j'ai des prisonniers qui sont morts de faim là-dedans, c'est hallucinant, c'est c'est hallucinant. Donc ça fait bien hein, quand même hein. Je veux dire, les familles passent par le parloir, enfin passent par les salles d'admission pour aller au parloir et ils voient les cadavres et tout, c'est génial. C'est franchement génial hein. Je veux dire, voilà, les prisonniers repassent par la salle d'admission pour aller à la conditionnelle. Voilà quoi, ça respire la joie de vivre, c'est cool, clairement. Clairement, ça. Voilà, hein, c'est. On fait pas mieux. On ne fait pas mieux, mesdames et messieurs. Alors, à l'armurerie, faudrait que dans le chenil et l'armurerie, je garde un prisonnier en permanence.
Un prisonnier. Ah, j'ai du mal. Un gardien en permanence. Simplement pour pouvoir. Voilà quoi. Bon, alors. Il manque juste 2-3 petits trucs ici. Des petites dalles. Ouais, comme ça, tiens. Hop. Fonds insuffisants. Je suis à mon 1000. Ok, d'accord. C'est la fin de journée. J'ai eu des tasers ou des trucs comme ça. Donc résultat. Bon voilà. Donc voilà un petit peu où on est à la prison. J'ai fait également la salle du courrier. La salle de sécurité, il me semble ne pas vous l'avoir montré. On va laisser un gardien dedans d'ailleurs. Mais on a tout pour. Et j'ai oublié. Dans l'administration, j'ai. Débloqué énormément de choses. J'ai un juriste que j'ai engagé et j'ai débloqué les sanctions fixes. Alors ça, les sanctions fixes, ça va être utile pour la lutte anti-gang. Vous allez voir. On va s'occuper de ça aujourd'hui. On va s'occuper de ça aujourd'hui. On va s'occuper des gangs aujourd'hui. Donc, moi, je veux pas de gang. Clairement. Alors, est-ce que ça a évolué ça? Est-ce que j'ai dans le règlement? Des trucs justement contre les gangs. Alors oui, pareil, j'ai mis des fouilles systématiques à la moindre connerie. Histoire que voilà, on soit tranquille. Au niveau des besoins, on va faire le tour quand même des besoins rapidement. C'est relativement stable. La détente laisse un peu à désirer. L'hygiène également, peut-être que la douche n'est pas assez grande, mais à terme, quand on aura des sous, je pense qu'on mettra quand même des cellules individuelles, enfin des douches individuelles, histoire que voilà quoi, les mecs puissent se laver dans leur douche et éviter les problèmes que l'on rencontre en milieu carcéral. Enfin, j'en sais rien, je dis ça, c'est un cliché, hein. C'est certainement un cliché. Donc voilà, donc anti-gang, anti-gang, c'est pas compliqué, voilà. Tout ça, c'est nos gangs. Alors, je vais mettre en pause et tout de suite, je vais m'occuper donc de tout ce qui manque des gangs. Ce que je vais faire, c'est je vais les marquer, donc je vais les mettre en très haute sécurité et je vais les mettre en isolement permanent. Et à chaque fois, je vais faire ça. Ok. Donc ici, j'ai trois prisonniers qui sont... Voilà, donc ici, j'ai un membre de gang. Donc très haute sécurité, isolement en permanence. Ici, hein, c'est ici qu'il y a un membre de gang. Ouais, ici et celui-là. Donc ces deux-là sont des membres de gang. Donc très haute sécurité et sanctionné à l'isolement. Lui c'est un membre de gang. En fait, est-ce que ça marche toujours ça? Donc ouais, donc c'est ça. Puis ils ont en fait des tatouages sur le visage. C'est à ça aussi qu'on peut les reconnaître. Donc lui, très de sécurité. Non. Isolement permanent, pas la cellule permanence. Donc en gros, on va faire ça. On va faire ça dès qu'il y a un. En fait, en gros, dès qu'il y a un mec avec les tatouages, hop, c'est que c'est un membre de gang. Le problème, c'est que voilà, quand il nous tourne le dos, on le voit pas forcément, donc je me sers des trucs. Attendez, je vais vérifier un truc. C'est si je suis en gang, est-ce que je peux cliquer sur lui? Non, je peux pas cliquer sur lui. Donc, trait de sécurité, j'ai oublié de le mettre en trait de sécurité. Voilà. Donc, c'est en gros comme ça que ça se passe. Ok. Et il en reste un là. Ok, très bien. Donc déjà, les membres de gang qui sont à l'isolement, qui sont déjà à l'isolement, je les ai déjà isolés. Ok, donc ça, c'est une chose. On est en période de sommeil en plus, ça veut dire qu'ils sont tous dans leur cellule et qu'on va pouvoir plus rapidement les repérer.
Donc on va commencer par ce bloc-là. On va vraiment tous les faire pour le moment. Il n'y a pas énormément, il n'y a que 5. 5 plus 8, 13 membres de gang, c'est ça, hein? C'est ça. Il y a 13 membres de gang, donc ça va quoi. On va juste saturer 13. 13. 13 cellules. Alors pourquoi faire ça? Parce que dans les cellules de gang, on ne voit pas les... Comment? Mince. J'étais pas en mode gang. Je vérifie. Bon, ça va. Ici, il n'y en avait qu'un. Cellule d'après. Alors, cellule d'après, j'ai vu qu'il y avait plusieurs cellules. Donc, il y a lui. Sécurité, sanctionné, isolement, allez hop, suivant. Il y en a deux là. Donc lui. Trait de sécurité, isolement permanent. Trait de sécurité, isolement permanent. Voilà. Hop, on repasse en mode gang. Il y a ces deux là. Trait de sécurité, isolement permanent. Trait de sécurité, isolement permanent. Alors ça va pas forcément plaire, hein. Clairement, on va avoir des ennuis au sein de la prison à cause de ça. Mais au moins, les membres de gang sont isolés et on garde la main sur les cellules. Wow, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de gang dans ce... Ok, il n'y a plus de gang ici. Bah apparemment on les a tous fait. On les a tous fait. Donc là, voilà, les gardiens ont été récupérés, les membres de gang, et on a récupéré les cellules, on va pouvoir refaire éventuellement des travaux dedans, quand on aura besoin. Mais en gros voilà. À terme, on créera un bloc d'isolement spécialement pour les membres de gang. Et la très haute sécurité. La très haute sécurité, on la met en cellule en permanence. Quoi qu'il arrive comme ça, même s'il se barre, la très haute sécurité, c'est cellule permanente. Tranquille. Pas d'heure de bouffe que dalle. Donc l'objectif c'est vraiment de... Voilà quoi, tuer dans l'œuf quoi. Tuer dans l'œuf le problème des gangs. Donc voilà. Là, je vais juste mettre les voilà un petit peu de voilà de hop de chemin pour qu'on puisse évacuer les morts un peu plus vite. Et clairement il y a un souci hein, la morgue elle devrait être pleine. Enfin bon, elle devrait être pleine. Enfin, elle ne devrait pas être pleine, mais voilà quoi. Je veux dire, là, c'est pas normal qu'il y ait encore des corps qui soient. Pourtant là, j'ai 6 gardiens qui sont, qui ne font rien. Donc j'ai envie de dire, normalement, ils... Enfin bon, allez. Alors, on va continuer ces cellules-là. J'ai plus de thunes. Donc j'ai plus de thunes, comme d'habitude.
Ça change pas, voilà. Bon, alors, faut savoir également, voilà, que je récupère également pas mal de sous grâce au conditionnel. Conditionnel que j'ai peut-être augmenté. J'ai peut-être augmenté la proportion de conditionnel autorisé. Ça, c'est relativement simple. Je peux pas cliquer sur la porte. Ouais, bon, allez. Hop, règlement, voilà. Seuil de libération. Voilà, si le prisonnier a une probabilité de récidive inférieure à cette valeur, il sera libéré à l'issue. Donc ça, en gros, si je le mets à 100%, tac, tous les prisonniers peuvent passer sous caution et être libérés sur parole. Bon, on va pas le mettre à 33, on va le mettre à 50%. On va l'augmenter. Voilà. Vous voyez, comme ça, on... Voilà. Donc c'est-à-dire que à chaque fois que le prisonnier, donc par exemple on va prendre ce prisonnier, hop, évaluation, voilà, sa probabilité de récidive est 43%, il est en dessous des 50% que j'ai mis dans la prison, donc il va être libéré. Il va être libéré sous caution, et donc il va, pas sous caution, mais sous sur parole. Voilà, lui il a une récidive de 30%, même avec l'ancienne règle de 33%, lui il allait être libéré. Et à chaque fois que je libère un prisonnier comme ça, c'est 3000 assurés. C'est 3000 $ que je récupère. Donc voilà. Là j'ai eu de la thune qui rentrait, j'ai pas compris comment. J'ai dû toucher quelque chose, j'en sais rien. Mais voilà, en gros... Voilà. Donc, on va continuer à créer des cellules pour héberger toujours plus de prisonniers. J'ai laissé mon income à fond. Et là, j'ai 30 prisonniers qui sont sur le point d'arriver. 35 prisonniers. Donc là, on va dépenser les sous pour ça. Pour la création de cellules supplémentaires. Voilà. Et je pense qu'on fera un time-lapse pour arriver jusqu'au 500, jusqu'aux 500 prisonniers. Je vais juste dès que possible. Je vais peut-être refaire une cellule d'isolement, enfin des cellules d'isolement. Je les fais soit là, soit j'en brise une, soit j'en brise deux ici et je mets un bloc de cellules d'isolement ici. Ça peut le faire ça. Ça peut le faire les cellules d'isolement ici. Ça peut le faire ou est-ce que je peux le caser ailleurs? Faut voir. Alors au niveau logistique, non, au niveau déploiement. Alors au niveau déploiement, voilà, j'ai mis deux zones de cellules. Ah oui, bah, ah d'accord, ok, apparemment les membres de gang étaient essentiellement ici. Quoi? Comment ils ont fait les mecs? Ok, il me faut ici un sas. Hein. Clairement, il me faut un sas. Enfin, il me faut un sas mieux que ça, quoi. Comment les mecs, enfin les mecs, je veux dire, ils se sont barrés quoi, bêtement. La porte est restée ouverte, ils se sont barrés. Il y a un lit en plein milieu là. Comment ça se fait qu'il y a un lit en plein milieu là?
Stitcher. Comment ça se fait? Putain, les mecs, ils sont rapides quand même. Comment je peux faire? Il faudrait que je redécoupe. Que je redécoupe ce sas. Bah, c'est pas compliqué, en fait c'est pas compliqué. J'ai qu'une chose à faire, c'est ça. Faut que ici. Ici là comme ça. Ouais, ici. Ici, je vais mettre une nouvelle cellule. Dans mon déploiement. Ah, je pensais avoir mis un truc ici. Dans mon déploiement, je vais mettre deux patrouilles. Ah bah si, j'ai une patrouille armée. Bon, donc je vais briser cette patrouille en deux. Voilà. Et je vais mettre un garde armé ici. Deux gardes armés ici en permanence. Et ici, je vais mettre. J'ai mis trois gardes armés normalement. Ouais, j'ai mis trois gardes armés. Ok. Voilà, on va faire comme ça. Et ici, ça va être un sas en gros de haute sécurité. Les mecs, ils vont pas pouvoir passer par la porte de devant, quoi, je veux dire. Donc ça va ralentir encore un peu le flux, mais au moins ça va être beaucoup plus sécurisé. Entre guillemets. Donc voilà. On va également mettre un gardien en permanence ici pour ouvrir les sas. Et le mec va pouvoir que ouvrir les sas en gros. On va faire ça comme ça. Alors il me faut plus, beaucoup plus de gardes armés. Et après je vais réembaucher les chiens. Alors au niveau de mes déploiements, j'en suis où? Garde armée. Ok, tous mes postes sont visiblement occupés. Et en espérant que ça dure. Non, il manque un poste. Il manque un poste pour que les. Pour que ce soit complet. Bon. On va quand même embaucher un maître chien en plus. Voilà. Voilà. Bon, donc pour le moment c'est pas mal. Il est minuit. Fouille. Fouille, fouille, fouille. Bon. La tension monte un petit peu dans le dans la prison, mais dans l'ensemble ça se tient. Donc normalement j'ai 13 prisonniers qui se plaignent sérieusement. Sept prisonniers seulement s'estiment bien traités. 42 prisonniers de sérieuses plaintes, 41 prisonniers sont enfermés dans leur cellule ou en isolement. Oui bah. Il n'y a qu'à pas faire les cons ni être dans des gangs. Donc, au niveau des gangs, justement, on a trois nouveaux membres de gang. Et ça va pas. Donc, trois nouveaux membres de gang. Sachant qu'il y en a un visiblement qui est pas dans sa cellule. Hop, pause. Toi, mon gars, il y a un truc qui cloche avec toi. Tu pars à l'isolement direct. Ton copain qui est ici également. Et lui également. Voilà. Alors, je me prendrai bien quelques informateurs. Quelques informateurs non membres de gang, évidemment.
je vérifie juste, ouais, qu'il n'ait pas de tatouage sur la tronche entre deux. Mais bah, de toute façon, ils sont en, s'ils sont en rouge foncé, c'est que de toute façon, ils sont en membres de gang. C'est que je les ai détectés comme étant des membres de gang. Donc, voilà. Donc j'ai quelques, là, je vais avoir quelques gars. Donc, sachant que quand je les recrute, l'isolement dans lequel ils sont est annulé. En gros, on les recrute et puis en échange, ils sortent plutôt de l'isolement, quoi. Bon, il y en a qui refusent, hein, évidemment, de devenir informateur, hein, ça comme toujours. Mais bon, c'est tout, hein, c'est tout pour eux, hein. Beaucoup de membres de gang demandent, hein, quand même à devenir informateur, mais rien à foutre, ils vont rester à l'isolement. On a trouvé de l'alcool. Donc pour le moment c'est cool. Alors on a trouvé quand même, on a trouvé deux couteaux, on a trouvé une paire de ciseaux, quatre téléphones, de la drogue, des outils. Ils ont réussi à piquer des quatre matraques quand même au gardien. Pour le moment, je n'ai aucun taser apparemment qui a été trouvé. Mais c'est vrai qu'un prisonnier a un taser, tranquille quoi. Bon, enfin bref. Alors, il y a un mode évasion également. On l'essayera sur notre prison. Vu que là, à mon avis, j'ai un petit peu amélioré quand même la sécurité, faut pas déconner. Avec le sas là, avec ce sas là, je pense que quand même je vais résoudre énormément de problèmes. Bah ouais, attendez, les mecs ils passent par là, hop, au cam quoi. Donc ça peut pas aller ça. Allez. J'ai 35 prisonniers qui arrivent et j'ai 300 cellules. Ça c'est bizarre, les murs ils ont pas été posés ici. Ou alors ils l'ont été mais... Eh non, les murs n'ont pas été posés ici. Ah si, mais c'est bizarre. Oh, c'est bizarre l'aspect du truc. Bon, allez. Bon, la fouille. Il y a une place qu'ils ont pas réussi à fouiller. C'est quoi? C'est quoi les mecs que vous avez pas réussi à fouiller? Ouais, ça a bugué. Allez, hop. Je vois que j'ai un souci ici. Alors, j'ai eu 2-3 incendies, mais les sprinklers font clairement l'affaire. C'est juste qu'après il faut juste que je remette le câble électrique et la flotte quoi, point barre quoi. C'est juste ça. Et après affaire résolue quoi. Alors normalement j'arrive à produire assez de nourriture pour tous les. Pour tous les prisonniers. J'arrive. Donc je suis à repas moyen et variété moyenne. Hein, de toute façon je suis toujours dans mon income. Donc voilà. Voilà. Bon, la tension monte. La tension monte clairement dans la prison. Niveau de danger est height. Ok, d'accord. Ça n'a pas été traduit. Pas grave. Alors. Je suis en train de réfléchir. Voilà, scolaire pour débutants, 0% de réussite, ok, nickel.
Pas de soucis les mecs. J'ai jamais réussi à faire ce truc, hein, clairement. Après, il y a l'atelier. Il reste l'atelier à faire également. Oui, alors l'isolement. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse des plans pour l'isolement et j'aimerais bien caser un bloc d'isolement ici, un design que je n'ai jamais fait avant. Voici un nouveau design. Je vais démolir les arbres qu'il y a ici dans un premier temps et on va faire des plans. On va faire des plans, donc admettons que je brise cette cellule. D'accord, alors lui, il a rien compris à la vie, lui. Alors, admettons que je brise cette cellule. Je vais créer... Non, je vais créer des plans. Donc ici... Un mur jusque... Jusqu'un là? Ouais, allez, hop. Donc ici. Ensuite... Donc... Vraiment masse cellule d'isolement quoi. Limite, il y aura plus de cellules d'isolement que de... je peux coller, remarque. Y en a un trop. Ouais, donc il va falloir que... Ah, c'est ça, hein? 1, 2, 3, ouais. Donc il va falloir que je brise ces deux cellules-là. Donc c'est plus propre de faire plutôt comme ceci. Ok. Ensuite, niveau cellule d'isolement. Je vais commencer par ici. Donc, tac. Donc ça jusqu'au bout et on va avoir en face donc 1 1 2 3 hop donc là on a on va avoir un mur voilà donc ok. Pour faire simple comme ceci. Donc et ici j'arrive comme ceci. Alors ici on va descendre jusque là. 1, 2. Ok alors et ici j'arrive ici comme ça, il y aura un mur, hop, et on repart sur un truc comme ça. Donc ici, on peut enlever. Ouais, ici, on peut enlever une épaisseur. Voilà, ok. Donc ici, on a des cellules. 1, 2, 3, 4. Hop, ici. On va avoir un mur. Ok. Alors. Ici, ok. Ensuite, ouais, en fait, on peut faire comme ça. Mais est-ce qu'ici... Et ici, limite, je pourrais caser des cellules à terme. Ouais, mais... Ouais, mais non. Donc, on va faire ça comme ça. Ok, donc là, hop, 2. 2. 3. Hop. Ici on fait 5 comme ceci. Et ici on fait 5. Voilà. Donc en gros ce sera comme ça à chaque fois. Ouais. Et donc si je continue, 1, 2, 3. 4, hop. 5. 4. 1.
Ok, donc on va couper le mur ici. Et donc là, j'ai mes cellules qui viennent comme ceci. Et ici, j'ai juste quelques cellules qui vont venir ici. Ok, en gros, voilà comment on va faire le truc. Hein. Donc ici, il y a des cellules, je ne les ai pas dessinées, mais il y aura des cellules. En gros, on va faire ça. Et ben, on va faire ça. On va faire ça comme ça. Je vais juste construire. Mettre en poste pour ça. Donc, en béton. Donc, on va construire ceci comme ça. Hop. Et ceci comme ceci. Voilà. On va construire ça comme ça. Voilà. Donc ça va être construit. Et ici, donc on va faire ma cellule d'isolement. Je sais pas combien je peux en mettre là par sachant qu'ici on aura plus. Donc attendez, je vais juste compléter les plans pour voir combien j'ai de cellules par par rangée. Hop. Ok, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, ça, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'ai 11 cellules, donc je multiplie par 2, ça fait 22, 1, 2, 3, 4, que je multiplie par 4, donc 22 x 4 ça fait 88 cellules. 88 cellules plus les cellules qu'il y a sur le côté. Oh, on a dépassé la centaine quoi. On est à 104 cellules là-dedans, je crois. Un peu plus. On doit être à 106 cellules. En comptant les trucs sur les côtés. Parce que là il y en a, ici il va y en avoir 13, et ici il va y en avoir 15, donc c'est ça. Ok, 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 donc, électricité, alors déjà électricité c'est une chose, mais d'abord, ces deux cellules là, ce ne sont plus des cellules. Ensuite, démolir les murs. Alors, on va démolir tous ces murs-là. Voilà. Et on va démonter les objets. Tac et tac. Ok. Donc ça, c'est bon. Je vais juste prendre, donc. Je vais dupliquer. Ceci. Jusqu'au maximum que je puisse. Ça doit être le maximum que je puisse. Ouais, c'est le maximum. Hop, et donc je vais les copier ici. Tac. Et tac. Ok. Ici, pareil. Hop. Hein? Ah, pas assez de... Ok, pas assez. Ça fait rien, ça fait rien. J'ai pas assez. Mais
Petite sauvegarde. Donc c'est ici et je vais pouvoir tirer un peu d'électricité. Je pense qu'en faisant ça comme ça, je vais réussir à tout alimenter. Si j'en moque au milieu, je tire un câble au milieu, puis c'est tout. Normalement, ça devrait être bon. Les mecs qui se bloquent à l'isolement, j'adore. Mais il n'y a pas de mur là. Passe à côté. Il est con ce mec ou quoi? Il attend qu'on vienne lui ouvrir la porte alors qu'il peut passer sur le côté quoi. Non mais ça a pas changé ça. Ça c'est idiot. C'est idiot, c'est idiot. Donc, à poser quelques murs supplémentaires. S'il y avait un plan foireux. Et on va reprendre la duplication parce que j'ai 35 000. Je sais pas d'où vient tout ce pognon, mais il vient, il vient. Je vais juste. Avant, je vais tirer. En fait, je vais tirer les thés là. Les thés, je vais tirer. Ça, hop, hop, comme ça, déjà, ça c'est mon thé. Et après, j'ai plus qu'à y mettre les cellules. Un souci je crois, mais ça a été résolu. Bon, ok. Les médias ont lancé une campagne dénonçant tout ce dont profitent les prisonniers. Je me trouve sous le feu de projecteurs. J'ai fait passer une ordonnance qui interdit toutes les télévisions dans les zones communes de prison. Supprimez donc toutes les télévisions de la salle commune. Vous pouvez. Vous recevez une amende. Vous avez 6 heures. Oh bon bah. Tu cherches les meutes ou comment ça se passe? Je sais même plus où elle est ma salle commune. Ouais, elle est en haut. Elle est en haut. Et donc il faut que je supprime les deux télévisions. Désolé les mecs. Alors la thune. La thune j'en ai. Donc on est reparti pour la duplication de cellules. Bon voilà, après bon alors juste par contre il va me falloir, voilà, il va me falloir ici, alors il va me falloir ouais au moins 3 même 4. Alors il va me falloir 4 pattes, 4 qui sont en poste ici. Si je mets ici, ouais, je considère que c'est là. Ensuite, il va me falloir des patrouilles. Alors les patrouilles. Ah oui, logique. Alors cette patrouille-là, hop. Cette patrouille-là, on va la supprimer. Et on en refera une petite quelque part. Alors il y a ça et alors il va me falloir une patrouille armée. Off.
fait, y a même pas besoin, quoi. Je veux dire, les mecs se baladent là-dedans, c'est tout, point barre, mais... Ouais, parfois ça peut dégénérer dedans quand même. Allez, hop. Hop, ouais bah si, deux gardes armés là-dedans. Et un chien. Voilà. On y est, j'ai 12 000. Je peux certainement mettre les cellules qui me manquent. Cent. Et zut, il m'en manque juste un petit peu. Allez, il me manque émeute. Ça c'était garanti, ça. Je l'aurais bien dit, quoi. Je l'aurais bien prédit, quoi. Les mecs, tu leur supprimes la télé, c'est terminé. Hein. Ah, c'est dans la cour que ça se passe. Oh, non. Vous savez quoi? Hop. Non. Les mecs sont autorisés à tirer. Genre, mais en fait, j'ai des gardes armés qui sont morts, quoi. Il y a dû avoir un carnage là-dedans. Ah ouais! Ah ouais, voilà les meutes de bâtards, en fait. Niveau du personnel. Ah ouais, quand même. Ah ouais, belle hécatombe. Ok, d'accord. Ben, policier anti-émeute. Hein. Oh, l'hécatombe. Rire de police x3. Et puis, ben... C'est parti, hein, j'ai envie de dire. Let's go Mario, hein. Il y a des morts. Hein. Bon. D'accord. Ils ont pris visiblement l'infirmerie. De Dieu, il y en a un qui a pris des flingues à mon avis. Wow, quoi. Ok. J'allais sur l'infirmerie les mecs. Ok, la riot est terminée. Bon, il y a eu des Maccabées. Hein. Wow. Wow. J'ai perdu la moitié de mes gardiens. J'ai juste perdu la moitié de mes gardiens. Tout va bien. C'est la merde. Eh ben, j'ai bien fait de refaire des cellules d'isolement. Hein. Parce qu'il y en a qui vont en bouffer de l'isolement. Moi qui vous le dis. Donc, dupliquer. On va dupliquer donc. Non. Je vais dupliquer. Je vais dupliquer ça. Ici. Et je veux dupliquer ça. Ici. Quoi? Fonds insuffisant.
Ah, oh, il manque quelques... Voilà. Alors, petite sauvegarde. Hop, voilà. Donc j'ai une cellule d'isolement ici et il me faut 1030 pour la cellule d'isolement ici. Ça fait quand même un beau carnage. Bon, il va falloir que je renvoie les gardiens. Pas trop le choix, il va falloir que je renvoie les gardiens. Est-ce que je fais un prêt pour ça? Non, j'ai 57 prisonniers qui vont arriver dans 8 heures. 57 prisonniers qui vont arriver dans 8 heures, ça va, tout va passer dans le rachat de gardiens. À passer là-dedans. Alors, au niveau des gangs, on en a un. On en a deux. Ouais, et lui, il est déjà fiché. Donc, on a lui. On a lui. Oh non, 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 non. Oh non, ça c'est chiant ça. Alors, très haute sécurité et à l'isolement. Ok, lui, il est mort. Et ce qu'on va faire, hop, on va tous les appeler. Et on va récupérer masse information sur les détenus. On va récupérer masse information sur les détenus. Allez, 4 heures et je récupère suffisamment de thunes pour embaucher tous mes gardiens. Je peux déjà en embaucher 4. Y a une sacrée quand même... Sacré hécatombe. On va racheter quelques bancs de muscu également. Quand on aura suffisamment de sous. Ouais, on va récupérer 57 prisonniers supplémentaires. Heureusement qu'on a pas mal d'income, mais bon. Alors, une heure. Au niveau des besoins. La nourriture, ça va. C'est l'hygiène qui pose problème. C'est l'hygiène qui pose problème. Allez, plus qu'une petite minute et on va pouvoir récupérer assez de sous. Également de mettre ça. Je vais hop. Et le reste, voilà, 33 000 en gardien et uniquement en gardien. 70 gardiens.
savez quoi? Je vais embaucher 80 gardiens. Je vais réembaucher des gardiens armés. Et un maître chien. Ok. Alors, voyons un petit peu ce que dit... Ce que disent les informateurs, on a 31% de la prison. On sait que lui, là-bas, il est prêt déjà à être abattu, direct. Toi. On va te recruter direct. Toi, on va te recruter direct. Lui on sait tout de lui donc c'est pas un... ça peut pas être un... et lui pareil. Ok. Donc je recrute masse informateur, hein, mais c'est toujours utile. Bon. On va redemander des maîtres chiens également. Voilà, voilà. Bon, ça commence à faire. Ah, ça fait du monde, mine de rien. 300 hommes. Ça fait du monde. Bon. Alors, petit état des cellules, enfin des pièces. Donc j'ai ouais, j'ai 312 cellules et 188 d'isolement. En gros, j'ai un tiers de la prison qui peut être en isolement. 1000, de toute façon avec 1000 je peux rien faire. Ouais, mais niveau besoin, ça devient vraiment chaud quand même. Bon, la nourriture, ça descend. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute plus de temps de douche, mais... Bon, libération anticipée, je viens de gagner 6000. Je vais terminer mes cellules d'isolement. Je vais en mettre donc 4 de plus. Deux ici. Et ces deux-là ici. Voilà. Voilà, excusez-moi pour la petite coupure. Pas mal, pas mal. Bon, pour le moment ça se tient. Si je prends l'extension, ça... Ouais, ça me coûterait combien pour l'extension? Allô? L'extension, voilà. Alors ça me coûterait 80 000. Ok. 80 000 pour avoir l'extension. Oh, pour le moment on peut s'en passer. Mais ouais. De toute façon, je pense qu'on va passer en timelapse et puis... et on se retrouvera
lorsqu'on aura atteint les 500 prisonniers. De toute façon, c'est tout ce qui reste à faire pour le moment. On va regarder rapidement juste les programmes avant. Ouais, l'atelier. Est-ce qu'on fait l'atelier? Pas envie de la faire, sérieusement. J'ai même pas du tout envie de la faire. Bah écoutez, on va se retrouver. On commence le timelapse ici et on se rejoindra à 500 prisonniers. A tout de suite!